La quatrième génération de la classe A est le premier véhicule de la nouvelle plateforme traction avant de Mercedes-Benz. Élément marquant de la proue, la grille de calandre hexagonale, une réinterprétation de la calandre Panamericana. En son centre, on distingue l'étoile Mercedes encadrée d'une lamelle argentée. Les phares de forme plate ont fait l'objet d'un nouveau design et contribuent à l'impression de largeur de la partie avant. Pour la première fois, les projecteurs multi-beam LED sont disponibles en option. Les entrées d'air latérales sont adaptées au contour de la grille de calandre. Le caractère dynamique du véhicule est renforcé par son nez vertical devançant un capot moteur plongeant. L'empattement, augmenté de 30 mm, et la ligne de caractère latérale étirent par ailleurs le véhicule dans la longueur. À l'arrière, on remarque les feux arrière plats en deux parties qui sont disponibles en option en variante intégrale LED. En accord avec le pare-choc arrière à deux éléments et le diffuseur spécifique à la ligne d'équipement, ils accentuent le dynamisme de la proue. Englobant 370 litres, le volume du coffre a augmenté de 29 litres par rapport à celui du prédécesseur. De plus, la division des feux arrière a permis d'élargir l'ouverture de chargement d'une bonne vingtaine de centimètres. Pour augmenter les capacités de transport, une banquette arrière fractionnable dans des proportions 40-20-40 est disponible au catalogue des options. Au sein de l'habitacle, la nouvelle classe A joue la carte du numérique. L'intérieur combine sportivité et spaciosité réinterprétée. La pièce maîtresse, le poste de conduite widescreen flottant, déjà inclus dans la dotation de série. Les visuels sont disponibles en différentes combinaisons allant de 7 à 10 pouces 25. Les 5 buses rondes présentent un look turbine réinterprété, intégrant l'éclairage d'ambiance. Le volant à 3 branches avec touche tactile Touch Control est lui aussi une conception nouvelle. Les commandes du climatiseur se font désormais au moyen des touches à bascule horizontales. Au moment de la commercialisation, la gamme de motorisation englobe les deux organes essence M260 et M282, ainsi que le diesel OM608. Outre la boîte 7 rapports DCT éprouvée, la classe A utilise également une nouvelle boîte 7 rapports à double embrayage. D'autres organes viendront s'y ajouter par la suite. Design fort en émotion, technologie numérique et net gain de place pour les passagers, la classe A pose de nouveaux jalons dans le segment des compacts.